Salut, je m'appelle Thérèse Poulain et je fais partie du programme HIRES 2018 à l'Université de Calgary. Je travaille cet été dans le laboratoire de Dr. Marc Poulain et son étude Brain in Motion. Plusieurs gens âgés de notre communauté souffrent des troubles de pensée et un manque d'indépendance causé par la maladie d'Alzheimer et d'autres démences. Imaginez que quelque chose aussi simple que de l'activité physique pourrait diminuer les chances d'acquérir une démence sénile à un âge avancé. Dans mon laboratoire, nous recherchons la connexion entre différents processus physiques et la quantité de sang circulant dans le cerveau. Mon projet se concentre sur la circulation du sang dans le cerveau et l'apnée du sommeil. Je suis responsable d'analyser les données de plusieurs participants, incluant une polysomnographie, qui est plusieurs fils attachés sur toi, particulièrement sur la tête, qui mesure ton rythme respiratoire, ton mouvement et les ondes produites par ton cerveau pendant que tu dors. Un autre test s'appelle l'échographie Doppler de l'artère cérébrale, qui mesure la vitesse du sang qui traverse tes artères dans ton cerveau. Nous avons l'espoir que cette recherche mène à prévenir les chances de procurer une maladie d'Alzheimer et d'autres démences en vivant une vie plus saine et active.